Non, vous vous trompez. Attends, le syndicat, non mais excusez-moi, il y a les syndicats majoritaires en Étoile-Marne, il s'appelle la FSU, et elle a pris position pour la suppression du Philippe Parti. Il vaudrait mieux comme on est dans une école de journalisme que vous le sachiez. Parce que répéter en permanence, FO est le syndicat majoritaire, FO fera la grève, etc. D'abord, moi je crois qu'FO, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on veut bien dire, parce que nous avons quand même, nous, des possibilités de discuter avec FO. Et vous savez, je vous dis un truc, Jean-Marc Guérini, il a été délégué FO dans sa jeunesse. Il connaît le syndicat, il y a des amis. Peut-être que vous avez vu que le principal dirigeant de FO de cette ville, M. Bramanti, qui est celui qui a le syndicat le plus puissant, celui de l'hôpital, de la PHM, et sur la liste de Jean-Marc Guérini. Donc il n'y a pas d'opposition entre FO et nous. Mais nous, nous disons à FO, comme nous disons aux autres, nous appliquerons une politique qui permettra de nettoyer la ville. Ça veut dire que vous n'imaginez pas un seul instant que, sur la mise en place de mesures, avec notamment la suppression du Philippe Parti, vous puissiez avoir une réponse du personnel avec une grève. Les choses, je vais vous dire, je vais te dire, Philippe, je vais faire une confidence. Alors, les choses ont déjà été négociées.